Salut les Pelikioa fans, ça y est, la nouvelle est tombée le mercredi 3 octobre, le nouveau titre de la prochaine série a été dévoilé et il s'intitule Delicious Party Pelikioa. Que nous attendra la nouvelle saison? Analysons cela en détail. Et comme toujours, quelques petites précautions s'imposent. Cette vidéo contient du spoil sur quelques saisons sur les Pelikioa. Donc si vous n'avez pas regardé les Kila Kila Pelikioa à la mode ou les Hokuto Pelikioa, je vous invite à quitter la vidéo. C'est parti! En analysant certains éléments sur le logo de la prochaine saison à la loupe, on y voit deux verres de jus de fruits sur le katakana T. Sur la ligne en dessous, on voit un Daifuku sur le katakana H. Et hors des éléments d'écriture, au-dessus, on voit un gros nœud avec un cœur au centre en strass. Et en dessous, on remarque une cuillère et une fourchette aux deux extrémités du titre. Et autour, on y voit plein de petites paillettes trop mignonnes. Et lorsqu'on revient quelques années en arrière, on voit une grande similitude avec le logo des Kila Kila Pelikioa à la mode. Mais ce sera à mon avis assez différent. Car oui, dans le titre, on y retrouve non seulement le mot « Delicious », mais aussi on retrouve le mot « Party ». La nouvelle saison sera donc basée sur le thème de la fête. Alors maintenant vient la partie théorie de cette vidéo. Combien seront-elles? J'imagine que lors de la prochaine saison, nous aurons au moins 3 Pelikioa au début, et une quatrième qui les rejoindra en cours de route. Quels seront les noms de code? J'imagine que qui dit fête dit bonbons, gâteaux, jus de fruits, confettis, mais aussi danse et musique. Leurs noms de code seront peut-être QA Joy, QA Disco, Hip-Hop ou encore Swing, parce que les dernières années parlent du renouvellement des années 50, 70, 90. Et il est probable que l'une d'entre elles portera un nom de code avec l'une de ses danses. Et peut-être une Pelikioa qui s'appellera QA DJ, que j'imagine avec deux platines, ça fait trop stylé. À quoi ressembleront les Pelikioa? J'imagine qu'il y aura quelques similitudes avec les Suito Pelikioa, les Fureshu Pelikioa, les Kila Kila Pelikioa à la mode ou encore les Smile Pelikioa. Mais je ne sais pas avec exactitude à quoi ressembleront-elles précisément. Alors, où se déroulera la nouvelle série? Probablement dans un milieu urbain. Je pense à une ville reconnue pour ses festivités, quelque chose comme ça. Quelles seront les apparences des fées? Comme nous avons eu lors de la saison des Tropical Rue du Pelikioa une fée ressemblant fortement à une otari, je pense que nous aurons des fées un peu moins animaliformes, des fées donc un peu plus comme Candy, Mepeleu ou Mipeleu. En tout cas, ce sera à voir. Et enfin, le Graal parmi toutes ces questions, à quoi ressembleront leurs outils de transformation? Cette question est pour le moins difficile, même la plus difficile que je n'ai à y répondre. En revoyant les outils des saisons précédentes, tels que les Kila Kila Pelikioa à la mode, on voyait un poudrier avec un fouet et un saladier. Seulement, je ne pense pas que l'outil ressemblera à un poudrier. Enfin, il ne faut pas oublier que dans la saison actuelle, les Tropical Rouge Pelikioa, on retrouve aussi un poudrier, et que deux saisons à la suite avec la même forme d'outil, ce serait un petit peu redondant. Mais alors, à quoi ressembleront-ils? Eh bien, j'ai ma petite hypothèse, comme on voit derrière le logo qu'il y a un gros cœur, l'outil en question ressemblera-t-il à celui des Hokuto Pelikioa? Ou alors, à mon avis, sera peut-être complètement différent et dépassera mes attentes? La question est, comme je le dis, extrêmement difficile. Mais pourquoi avoir choisi le thème de la fête? En regardant un peu, nous sommes à la 19e franchise des Pelikioa avec cette saison. Et oui, le 20e anniversaire approche. Il y aura alors, à mon avis, comme lors du dernier épisode des Kila Kila Pelikioa à la mode, un gâteau et la présence de la Pelikioa de la 20e franchise. Mais ce n'est pas pour tout de suite, un petit peu de patience, chers Pelikioa fans, je ferai également une vidéo théorie sur le thème de la 20e franchise. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, d'écrire votre avis dans les commentaires, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me soutenir via mon compte Utip en regardant une pub à 5 centimes. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et comme toujours, bye bye bo, sayonara, mi-na-san.